L'affaire commence lorsque la photo dénudée d'une jeune fille circule sur les réseaux sociaux avec la star congolais Fally Ipupa. Cette jeune femme a été identifiée comme étant l'ex de Samuel Eto'o. Bien évidemment, la star camerounaise n'a pas apprécié cette mise en scène. Cela les a mis à mal. Les médias avaient relayé le buzz, notamment une relation très tendue entre les trois. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à les venir dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Lors d'une interview accordée au magazine Jeune Afrique le 12 février 2016, la Camerounaise a fait la révélation comme quoi Samuel Eto'o et Fally Ipupa auraient eu un clash à son sujet. C'est à la suite de cette dispute que Samuel Eto'o lui aurait mis la pression pour qu'elle prenne des photos nues de la star congolaise. Fally Ipupa et Samuel Eto'o se sont rencontrés au Cameroun où ils fument le columet de la paix. Les images de cette réconciliation ont été vues. Lors de son passage à l'émission Rien à cacher du 27 mai 2017, la star congolaise est revenue sur la question à la demande de Yves Dembélé. Il n'y a jamais eu de guerre, donc on ne peut parler de réconciliation. La tension qui a été entretenue ne l'a été que sur le net. Les photos qui ont été publiées ne sont pas de moi. C'est un gros montage, explique Dicap la merveille.